sont... Oh là là. Merci Rwanda pour tout mi yamoléo. Bonjour, chers compatriotes. Mbote na biso banso, chers compatriotes. Naebi ete tangweleki mingi tokomina tongo. Bon, il est 2h du matin à Kinshasa. Chers compatriotes, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine qu'on en parle. Moyen bon semaine à Betou, Jambouenou, Siklizi, Wapenzi, Walongala, Kiswahili, Botla Beno, Bampangi, na Beto, Moyanou, Ana Lengo. Ok. Alors, chers compatriotes, c'est triste, nous sommes tristes. Eh bien, nous sommes tristes, nous, de TV du Peuple, RD Congo. Nous sommes tristes. Évidemment, la démocratie s'est exprimée. Mais parfois, la démocratie est dangereuse. Voilà, chers compatriotes, le titre est là. SOS danger. Danger en RDC. Le peuple est en pleurs. Vital Kamerhe est le probable futur président de l'Assemblée nationale et ça c'est très dangereux. Je vais m'expliquer, soyez branchés. Hein. Je garde deux vidéos pour vous, hein. Deux vidéos, des extraits, des compatriotes qui en parlent et puis un rappel du prisonnier Vital Kamerhe parce qu'il a fait la prison, il a fait de la prison. Voilà, chers compatriotes. Pour ceux qui ne connaissent pas Vital Kamerhe, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi il est dangereux. Vital Kamerhe, c'est un politicien qui a commencé depuis Joseph Kabila, qu'on appelle Kanembe, ou commandant Hippolyte, de son vrai nom, parce que c'est quelqu'un que Laurent Désiré Kabila a amené comme fils adoptif, ou enfant adoptif, et cela nous a été... informé par une journaliste belge qu'on appelle Colette Brackman, qui nous a dit que c'était le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila, soit. Eh bien, il s'avère que la dangerosité de Vital Kamerhe, c'est que plusieurs fois, il a été considéré comme un espion rwandais et qu'il a une... origine douteuse, une identité douteuse. Les archives du Congo ou des journalistes nous informent que il fut président des étudiants rwandais à l'université de Kinshasa
Et plus tard, on le voit qui se fait passer pour un Congolais. Bah, quand est-ce qu'il a acquis la nationalité congolaise? Eh bien, c'est un point d'interrogation. Mais il est connu que ses parents sont originaires de Tchangougou, mais on écrit Tchangougou, au Rwanda. Certains disent que il serait originaire du Burundi. En fait, quand on lui pose des questions sur son origine, son identité réelle, il échappe toujours. Il a été plusieurs fois surpris en train de parler le Kinyarwanda. Bon, le Kinyarwanda, tout le monde peut apprendre à parler le Kinyarwanda. J'ai un cousin qui parle le Kinyarwanda, mais il est kasaïen. Mais lui, il a des affinités avec le Rwanda. On l'a vu au Rwanda à un mariage de James Kabarebe, qui fut chef d'état-major de la RDC, un Rwandais, un Tutsi rwandais. Il est parti lui offrir combien de vaches? 30 vaches au mariage du fils de ce James Kabarebe, qui est devenu chef d'état-major général du Rwanda. Et ensuite, ce James Kabarebe a occupé d'autres fonctions. Il continue à occuper d'autres fonctions. Ils sont amis. C'est notre agresseur. Ce Vital Kamerhe a pactisé avec le président Félix Tshisekedi pour former ce qu'on appelle le CASH. À Nairobi, on connaît l'histoire du CASH. Et ce fut une coalition, mais quand le président Félix Tshisekedi est devenu président, lui, il n'est pas devenu premier ministre comme il s'était convenu, mais bon, il n'avait pas la majorité, il est devenu directeur du cabinet du président de la République. Et il était intraitable, chers compatriotes, quand il était directeur du cabinet du président. Il était très difficile d'arriver à la présidence, de voir le président d'y arriver. Et il fallait toujours passer par Vital Kamerhe. Sans passer par lui. Et puis, il a empêché beaucoup de choses de se réaliser. Il était très dur, chers compatriotes. Permettez. C'est ici peut-être. Non, c'est pas là. Permettez, chers compatriotes, je suis en train de corriger quelque chose. Oh là là, c'est où? Ben, je vois plus ce que je dois corriger. Oui, c'est ici. Voilà, j'ai fait la petite correction et ça va. Voilà, il est président, futur président. Mais il est candidat unique. Ça va se passer aujourd'hui, le 24. Le 24 avril 2024. On craint que certaines lois ne puissent pas passer. Par exemple, la loi Tchani, qui veut que cette fonction-là du président du Parlement soit occupée par un Congolais d'origine 100% qui a la loyauté avec la RDC. Vital Kamerhe, pour le cas d'espèce, Vital Kamerhe n'a jamais condamné le Rwanda, jamais condamné. Quand il est sorti de la prison et quand il a été réhabilité d'une façon rocambolesque, il est parti dans cette zone-là du M23. Il a parlé avec eux et puis il a suggéré que
s'asseoir autour d'une table, il était possible qu'il fallait un dialogue. Alors que le Parlement avait voté que on ne parlera jamais avec les terroristes parce que le M23-RDF, c'est un groupe considéré comme terroriste. Et cela a été voté par le Parlement congolais. Donc, le président de la République ne pourra jamais dialoguer avec le M23, les terroristes, que les Congolais appellent les terroristes. Il n'y a pas que les Congolais, il y a les États-Unis, les Européens. Ils ne dialoguent jamais avec des terroristes. Et pourquoi nous, les Congolais, on doit dialoguer avec des terroristes? C'est le point de vue de Vital Kamerhe. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Vital Kamerhe, je vous montre un petit extrait de vidéo. Où il a été condamné dans le procès des 100 jours, des détournements de la période des 100 jours de la présidence du président Félix Tshisekedi. Hein. Voilà, il a été condamné à 20 ans de servitude pénale. Après 5 audiences consacrées au plaidoyer, le verdict du procès dit de 100 jours a été rendu ce samedi 20 juin 2020. C'était dans une audience publique au tribunal de grande instance de Gombe, siégeant en chambre foraine au centre pénitentiaire de Makala. Vital Kamerhe et ses deux co-accusés sont reconnus coupables et condamnés. Le directeur de cabinet du chef de l'État écope de 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamerhe Lokaningini Vital, soit public et paraétatique, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. Le juge a par ailleurs instruit la saisie des biens immobiliers de Vital Kamerhe et son épouse et la confiscation des fonds contenus dans leur compte bancaire. Voir le directeur de cabinet du président de la République est coupé d'une si lourde condamnation. Cela démontre que le procès a été pédagogique selon certains observateurs. Oh, mais si c'est un procès pédagogique, je crois que le Congo a besoin d'une justice qui fonde cette nation. Face à la justice, face à la loi, visiblement, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. C'est-à-dire, lorsque un Vital Kamerhe, du haut de son piédestal, est passé devant les juges, vous êtes qui pour ne pas souscrire à une requête des magistrats? Considéré comme l'un des meilleurs présidents de l'histoire de la Chambre basse de la RDC, Vital Kamerhe est le cofondateur avec le chef de l'État de la coalition victorieuse de la présidentielle de 2018, le Cap pour le changement. À 61 ans, c'est l'avenir d'une brillante carrière du président de l'Union pour la nation congolaise qui sombre. Voilà, chers compatriotes, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait de la prison pour avoir détourné, on appelait ça un détournement intellectuel, 58 millions de dollars. Et à part les 58 millions, il était aussi impliqué dans la disparition d'une somme de 15 millions de dollars qui provenait c'est pas des commissions de quoi, c'est de l'argent qui devait être reversé dans le trésor de l'État, mais ils se sont partagés. Cet argent a disparu, on n'en a plus jamais parlé. Et même au procès de la période des 100 jours,
On n'a pas parlé, on n'a plus jamais parlé de ces 15 millions. Toujours vit-elle Kamere. Chers compatriotes, lui, il a des origines douteuses. Est-ce que si jamais on demandait de faire passer la loi Tchani, est-ce qu'elle va passer? Déjà, c'est incorrompu. On pense qu'il a boutiqué cette élection. Et il paraît que l'idée des élections primaires au sein de l'Union sacrée, que l'idée viendrait de lui. Parce que si ça vient vraiment de lui, j'ai entendu Augustin Kabouya parler, hein, il a dit que cette idée-là vient de ces trois-là. Mais lui, comme il s'est en fait là, c'est lui qui a suggéré cette idée-là, tout en sachant qu'il avait déjà dans sa poche la plupart des députés. Il est millionnaire. On a vu comment son neveu ou son cousin ou Massaro, qui lui ressemble même beaucoup, hein, Massaro jouait avec des liasses de millions de dollars dans sa chambre. Et c'est son bébé qui s'amusait avec ça. Massaro a fui à une certaine période. S'il était blanc comme neige, pourquoi il avait fui? Massaro est parti se cacher dans une ferme. Massaro roulait avec une Jeep trop chère. Il a roulé avec cette Jeep, il a abandonné ça sur la route. Il a disparu, chers compatriotes. Mais il fut rattrapé dans cette ferme-là et il fit de la prison. Et voilà, comme si de rien n'était, ils ont été acquittés vraiment, après tout ce que nous avons vu de nos propres yeux. Vital Kamerhe peut bloquer le président de la République. Hein. Il est capable de bloquer le président de la République. J'ai entendu même certains dire que avec son lobbying, il peut influencer même le Sénat pour destituer le président de la République. Il est capable de ces choses. C'est un caméléon. Il est capable de manipuler tout le Parlement. Il est friqué, il est millionnaire. Et même pas, il peut recevoir de l'argent du Rwanda pour corrompre les nouveaux venus, là, ces députés-là. Moi, je les appelle les ripoux. Ces nouveaux députés-là, c'est des pourris. Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment des députés de l'UDPS pour empêcher ça? Il fallait élire Mboso Nkodia Mpwanga, Christophe. Il a eu 113 voix. Bon, lui, il a eu 183. C'est comme si jamais, si ces députés ont eu un mot d'ordre. Hein. Et, chers compatriotes, j'ai remarqué bah, communicateur, il y a UDPS. Bazali Kotombokate. Bazali ko expliquer. Oh voilà, c'est la démocratie. On peut lui faire confiance. Surtout Chancela Tchala. J'aime beaucoup écouter Chancela Tchala. Mais je l'ai entendu rigoler. Elle était contente. Est-ce qu'il a eu un mot d'ordre pour ne pas parler mal de Vital Kamerhe telle que je la connais? S'il n'y avait pas eu de mot d'ordre, je n'ai pas de preuve, mais j'ai remarqué un changement de ton. C'est pas possible. J'ai remarqué la même chose chez René de l'UDPS. La seule personne qui était récalcitrante et en colère, c'est Benjamin Mwanasuka. Lui, il n'est pas d'accord. Il dit que le public, la clameur publique
Le peuple est en colère. Le peuple est triste, comme nous tous là, nous sommes tristes. Nous voyons ça dans les réseaux sociaux. Le peuple congolais est en pleurs. On craint. Vital Kamerhe peut vendre le pays. Il a des ambitions pour devenir un jour président de la République. J'ai entendu Ndeko Eliezer dire, il connaît des originaires de l'Est qui ont fait une réunion. C'était la nuit. La nuit, je ne sais pas quel jour, c'est lui qui connaît le jour et la date. Dans cette réunion, ils ont dit, nous avons un mot d'ordre, personne du Kivu, originaire du Kivu, swahilophone, ne doit parler contre tout ce que Corneille Nangaa est en train de faire. J'ai entendu ça dans une vidéo d'Eliezer, de Ndeko Eliezer, député, il est honorable. Hein? Vous pouvez vérifier sa vidéo d'hier. Hein? Dans une vidéo récente. Chers compatriotes, je ne suis pas le seul à m'indigner là-dessus. Je vais utiliser un extrait vidéo d'un jeune, de l'UDPS, hein? Oui, hein. Un jeune de l'UDPS qui connaît très bien la matière et puis c'est un intello aussi. Bon, je ne dis pas que bon, on peut être un intello aussi en Lingala, en Swahili ou en Tchiluba. Oui, mais c'est parce que nous utilisons le français. Et le français, pour mieux le parler bien, il faut avoir fait des études un peu poussées. Ben, sauf ceux qui pratiquent le français à la maison, bon, depuis la maison, là, ça va. Mais ceux qui ne le pratiquent pas à la maison, ils comptent sur des études secondaires, des études supérieures pour améliorer le français. Voilà, j'admire beaucoup Benjamin Mwanasuka. Je vais vous faire entendre Benjamin Mwanasuka dans une vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, et vous comprendrez que le peuple entier, le public, on doit punir ces députés, ces ripoux, ces députés pourris, hein, qui ont accepté l'argent, je n'ai pas de preuves, l'argent de Vital Kamerhe, mais ça se voit, il est capable de ça, il a été en prison pour corruption. Nous connaissons notre pays, comment il fonctionne, hein. Ses compatriotes de l'UDPS qui pérorent tous les jours, Fatih Béton, dans les parlements debout, hein. J'en vois qui rigolent. Ils parlent de ça, mais à la rigolade, d'une façon théâtrale. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre? Y a-t-il eu corruption? Kamerhe est capable de tout, hein. C'est où c'est un fichier vidéo, n'est-ce pas? Ouais. Soyez branchés, je vous donne ça. Voilà, le voilà, oui. Voilà, c'est ça. Eh bien, on y va. Voilà encore une fois la population congolaise, comment nous sommes décis. Pourquoi nous sommes décis? Nous sommes décis. Tout ça décis parce que, après tant de missions, il y a qu'on conscientiser autour Bengi, ma députée Nabisso, ils ont opté pour un choix Nabango qui est Vital Kamerhe. Et Bisso, moi personnellement, Natiki, autour Bengi, Moussala, la démocratie. Parce qu'on devait faire toutes choses avec clarté dans la démocratie. Mais lorsque vous avez voté, il faut que vous aujourd'hui, ma Congolais est belé. Ma yoki soni, ma Congolais est belé, ma zana passi. Ya koyo kake, Vital Kamerhe, ne moutabini candidat ya union sacrée. Tout ça, banan ma député. Dans la chef de l'État, azama yele makasi. Les garants de la nation, les garants du bon fonctionnement des institutions. Le Fatih Béton,
azamayele makasi parce que mokonza mboka a décidé à l'obité likambo oyo ba congolais bo mitalela na miso bo mitalela banani yango balingaka Congo na banani balingaka Congo te. On doit voir clair. Et moi je pense que la démocratie, on a droit seulement yako nima o ezali ba voie démocratique. Le chef de l'État n'a pas voulu qu'on kenda makambo na ndenge ya dictature a kenda ngote. Je ne pense pas que ba député oyo muto ba voté bazoe ba en plein na auto bengi conséquence ya makambo ba limité. Parce que il faut que ça va nous clair. Le Congolais sont d'ici. Bandeko, ba Congolais basa d'ici. Non, fond la téléphone qu'à la milité. Boyo ka ba Congolais partout dans le monde. Na choix oyo, ba député ba poner l'émission. Et na démocratie, la loi oyo trône ka c'est la majorité. La majorité sur quoi c'est quelques votants. Ba monique Moutou Foubati la biso à Malonga, Ezali, Vital Kamere, Oyo Ngaï, ça c'est mon point de vue personnel. Nazan nga d'accord te. Mais, Nako si ma mindu qui te pona yango, Nazako se soumettre na auto bengi, ba voie démocratique. Ba voie démocratique. Oyo ennemi le lo, auto bengi, VK, na niveau, ya présidence, ya assemblée nationale. Je sais que la minute est à Koinda. Ils ont un bateau, Bazaki n'a pas choix dans le monde. Mais lorsque nous parlons de beauté à démocratie, et la démocratie nous dit que on a sa majorité, on va les gagner, et on a sa majorité, la minute étant donné, Vital Kamere, on a dit clairement que nous ne sommes pas bisous, nous avons d'accord. Mais ce n'est pas nous qui allons voter les présidents de l'Assemblée nationale. Bisous que c'est limité à qui n'a voté ma député. Voilà sort, il y a ma député auto-voté. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à Moutou à gagner. Tout en disant que Bisous va congolais, n'est-ce pas Bisous va Benjamin, tout ça d'ici. Je pensais que en âme et conscience, ba Congolais benga ba jamayele ya koloba ke non moto oyo to sanctionné au travers ma poname et ba voter autre ben Christophe Mbosso et tout le monde on s'attendait na autre bengi Mbosso. Mais malheureusement to loba bongo vote est tombé na autre bengi Vital Kamere. Et je tiens Yako Bandela Lissoussou, Bato Aoto Landanga na émission, Moutou Abimi, Bongo candidat ya Union Sacrée, c'est bel et bien Kamere Wakaningi di Vital. Et Moutou Abimi, candidat ya Union Sacrée. Et Bandela Koloubama, Bandela Koyokama, et nous savons, Nege Makamongo, et les Kaka et tout consort. Et en définitive, Oyo Abimi, président, ya Assemblée nationale, et Zali Bongo, Vital Kamere. Bonsoir Benjamin Mwanasuka, vraiment nous sommes pas très mais trop déçus. Et ma message est bandi de Akoya, ma message est bandi Koya de partout dans le monde. Et Nakoye Sabino qui Nako Fungo la téléphone Kalamingite Bino Boulega Nako Lobayango et ça Sabiso Telma Kitoko et Bitumba Otozanango na ministre Oyo boye bibino moko ki moi Benjamin même si je vais parler atana ko ganga ezali mongongo na nga ya moke les gens Oyo bazali na makoki ya ko voter ba voter le biso Vital Kamere comme étant président ya assemblée nationale. Je vais d'abord expliquer na makamu ndenge eleki. Il y avait trois candidats Mbosso Bat et Vital Kamere. Selon ma information, tout ça n'a pas. Selon ma kamounenge zali, Baati ne faisait qu'accompagner Otobengi Kamere parce que il fallait qu'on soit moi ma voix et pas ya Otobengi Mbosso. Comment ça? Pour comprendre que Kamere a zali de même terroir
na auto bengi nani bat bango to basa batuya sid kifu automatiquement surtout toki na logique il fallait moko atike na butu mususu et loko ya bibali bati auti koza la président du sénat bati a sa député national député provincial et puis bati azali auto bengi candidat sénateur et loko zoka musabiso zalini ya omona ke awa tozolo ba awa bati ayeli susu obima candidat président ya assemblée nationale après avoir co-dirigé toutes ces institutions wana et lokola bango mbongo na famba le marangote vous avez vu même que na ba erreur matérielle o ezalaki bazongisaki mwana ya bati na place na ye c'est que famille moko aza pe na recoupement na ye o eza ba député bile bisika wapi a koza la paix soit ministre soit nini il va gérer combien bandeko vous voyez le ko la fati aza ko bimisa na poisa ni sala mabe ya ba congolais mususu souvent les gens sont méchants bandeko n'oublions pas tobo sanate Kamere a été ministre économie à Ouam. Et là, on est à Sali. Quand vous me dites loyauté et tout consort, moi ici, je ne peux pas m'opposer na Otobengi, conséquence, il y a démocratie. C'est la démocratie qui a tourné. Il y en a un sacabatou qui, il faut Otobengi dictature. Et ça là, na mouka ou. Ce pays pour être développé, il faut moi dictature. Bon, les conséquences, il y a démocratie. La démocratie est une division qui est la primaire. Ba député na ba voter na Boutoute, ba voter na Moui, ba voter ba Doutou ba voter à la Bango, ba voter en âme et conscience. Ba tali passe ya 100 millions de Congolais. Ba tali makabwana nyoso. Ba député wana ya solo. Moutoyo, Bango ba sepeli. Ma paix s'abissouille comme état président de l'Assemblée nationale, c'est Vital Kamel, c'est l'homme à moi. Yangouana, vote est sanctionné, Bissot n'a pas condamné l'eau. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous ne sommes que des simples analystes politiques. Bissot Tosali, ba Oyo, pour gagner à la désert. On a averti, on a dit, et on les redit encore, attention. Mais nos députés, ils ont décidé autrement. Naibisaki batou que lorsqu'on dit certaines choses, bolanda kabisou. Et c'est très important. Mes frères et sœurs, likez la vidéo, aimez notre vidéo, les uns, namito bazo sepe là, bamisous baza kolé là, et bamisous baza ba champagne. Parce que, oya bango abimi. C'est ça même la beauté de la démocratie. En pleine démocratie, le chef de l'État a laissé Otobengi, ba député Bango Moko, ba mi ponela. Et choix Obama ou Niko ponela biso, c'est Vital Kamere. Je sais que c'est regrettable pour les uns. Et Batwe Bele, Anakoloba Awa, Bazali Desi, Nakomona, Oyo, et Zali ba député na biso na maïman surtout oyo ba sali biso na pesi bino merci bino ba député je pesi bino merci talande bobandi talande bobandi. Voilà chers compatriotes ce que j'ai voulu partager avec vous. Vous permettez, c'est où ça? Et c'est là. Voilà, on se retrouve. Eh bien, vous avez entendu, hein? Boyogi Binomoko, hein? À l'obi peuple, à ses pélités, vous avez bien entendu. Nous sommes le peuple dans la rue, hein? Nous sommes le peuple, nous sommes monsieur tout le monde. C'est nous qui avons élu. Moi aussi j'ai élu. Hein.
nous avons élu ces députés-là, et voilà ces députés pourris. Ils ont reçu de l'argent, et voilà, Vital Kamerhe est passé. Il est dangereux. Il est dangereux. Pourquoi est-ce qu'il a été... Et tout ce qu'il y a de négatif est sur lui. Partout où il est passé, il y a toujours du négatif, y compris même à la prison, chers compatriotes. Est-ce que vous savez que dans cette affaire, le juge qui est en train de prononcer la peine de 20 ans de prison, c'est un autre. Il y a eu le premier, celui-là, il a relayé, il a continué. Le premier a été assassiné. Le premier a été assassiné. Assassiné, nous avons suivi les informations. Il se trouvait dans une voiture et la voiture a été attaquée. Et voilà. Et quand il était directeur du cabinet du président de la République, il y a eu beaucoup de morts, des morts suspectes. Je connais même un membre de famille important du président de la République. Ils ont publié qu'il était mort du Covid, mais les membres de famille ont dit que ce n'était pas le Covid. Et si c'était le Covid, parmi les membres de famille, il n'y avait aucun qui avait des symptômes de Covid. Covid. Et quand il a été arrêté, terminé les morts suspectes à la présidence. Partout, il passe. Attention, là, au Parlement, Vital Kamerhe marche avec le poison. Il n'y a pas de preuve directe comme ça, mais à partir de certaines situations, on s'est tiré des conclusions. Il y a telle situation là-bas, telle situation X, telle situation Y. Or, il y a une situation Z. Et telle situation arrive. Pendant la présence du monsieur W. Eh bien, avec tous ces éléments, on peut tirer des conclusions, on peut comprendre. Ce n'est pas pour rien qu'il existe ce qu'on appelle les probabilités. Il y a, les probabilités sont étudiées dans une science qu'on appelle les statistiques. On énumère certains faits qui arrivent et on se pose des questions. Est-ce que c'est le hasard? Et à une certaine époque, quand il y a l'absence de cette personne, il n'y a plus ces phénomènes-là qui arrivent. Eh bien, attention, les parlementaires, hein? Ils débarquent avec du poison, là, au Parlement. Mais oui. Je n'ai pas de preuves, mais je soupçonne. C'est des soupçons. À vous de comprendre ou de ne pas comprendre. Hein. Voilà. Je fais partie du peuple. Je ne suis pas content. Là, j'ai entendu quelqu'un dire que le président de la République s'est tiré une balle dans le pied. Il risque gros avec cet homme-là. Ce n'est pas un ami fidèle. Bah, ils se connaissent les secrets. Hein. Bon, ils ont pris le pouvoir. Ensemble, ils se connaissent les secrets. Mais lui, c'est des gens du genre... à sacrifier même son frère, même qui, pour arriver à ses fins. Hein. C'est ça, Vital Kamerhe. Voilà, chers compatriotes, je m'arrête là. Je vous remercie pour ceux qui sont là, ceux qui étaient là. Je vous remercie d'avoir visionné. Je pense que ceux qui regardent, ils sont très loin. Parce qu'à cette heure-ci, la majorité des Congolais dorment. Et oui, voilà, je pleure dans mon cœur. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. C'est un poème, hein, d'un grand poète français.
qu'on appelait Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Ouais, vous entendez ces allitérations, ces répétitions des syllabes qui se ressemblent. Hein? Eh oui, je pleure. Mais c'est la démocratie. Mais il faut parfois de la dictature. Hein? Le président pouvait imposer, il pouvait imposer son candidat, mais il a eu honte de n'avoir pas satisfait Vital Kamerhe. Je comprends. Mais c'était dangereux. Eh oui. Dangereux peut-être nécessaire, mais jusqu'à quel point sera-t-il loyal? Il est en collusion avec le Rwanda. Il parle avec eux. Il est leur ami, leurs parents. Eh oui, j'ai suivi quand il est parti offrir les 30 vaches. Hein. Quelqu'un a crié de loin, parle en Kinya Rwanda. J'ai entendu quelqu'un qui criait là, à la fête là du mariage. Il parlait en Kinya Rwanda. Il criait, il disait, il s'adressait à M. Kamerhe, hein, parle en Kinya Rwanda. Parce qu'il sait qu'il parle couramment le Kinya Rwanda. Et s'il parle couramment le Kinya Rwanda, il y a des questions à se poser. Bon, nous savons qu'il parle les Chiluba parce que son père a travaillé dans le coin. Il parle le Monokutuba, lui qui est congolais à l'État, parce que son père a travaillé à Kikwit. Il parle les Lingala. Il maîtrise le Swahili parce qu'il est originaire de l'Est. Et voilà. Mais le Kinya Rwanda, bon, les Congolais de la frontière, bon, ils parlent des langues qui ressemblent beaucoup au Kinya Rwanda. Ils sont plus proches même du Kinya Rwanda. Le Kinya Rwanda, c'est une langue bantoue, hein. Ce n'est pas une langue des Tutsis. Beaucoup de Congolais se trompent, hein, en disant que, voilà, le Kinya Rwanda, c'est la langue des Tutsis. Non. C'est une langue bantoue. Les éleveurs de vaches qui venaient du Soudan, de l'Éthiopie, de tous ces côtés-là, ils venaient avec leur dialecte. Comme ils étaient minoritaires, leurs dialectes ont disparu. Hein. J'ai entendu le président de la communauté des Banyarwanda, bon, qu'on appelle maintenant Banyamulenge. Ils ont choisi cette terminologie-là pour se différencier des autres qui sont venus en 94 comme réfugiés et ceux qui sont venus en 96 avec Paul Kagame, avec la FDL, pour se différencier. Alors ils se font appeler Banyamulenge. Mais Mulenge, c'est un endroit dans les plateaux là à l'est, à Minembwe. Donc c'est la région de monsieur Bitakwira, un ancien ministre. Il est de là-bas, il les a vus venir, il les a vus débarquer. Alors ce président, qu'est-ce qu'il racontait? Il disait, ah, vous savez, il y a des mots au Congo, il y a des endroits qui portent des noms en Kinya Rwanda. Mais le Kinya Rwanda, c'est une langue bantoue. Hein? Il disait Virunga, Ingoma, Goma, bon, Ingoma, c'est les tam-tam. Mais Ngoma, même en Chiluba, en Kiluba, il y a Ngoma qui veut dire aussi tam-tam, c'est bantou. Et jusqu'au Cameroun, on dit toujours Goma, Ngoma. C'est bantou. Le Kinya Rwanda n'est pas une langue nilotique. Hein. Ça ne ressemble en rien aux langues d'Éthiopie, ni même
les langues du Sud-Soudan, en rien du tout, rien du tout. Donc il ne faut pas dire, quand on dit Niragongo, Nyamlagira, Virunga, Rindi. Oui, c'est en bantou, mais Kinyarwanda, c'est le Kinyarwanda tel que parlait au Rwanda, là-bas au Rwanda. Ceux qui étaient de ce côté-ci parlaient, les langues se ressemblent. Hein. Quand ils disent, en Kinyarwanda, ils disent par exemple, M, Makumi, Abirini, Katatu. Moi j'entends, en Tchiluba on dit, 23 on dit, Makumi, Abidi, Nisatu. Et ils disent, Makumi, Kabirini, Katatu. Quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est une langue bantou, parce que c'est une langue bantou. Il y a même beaucoup de mots swahili en Kinyarwanda. J'ai entendu beaucoup de mots aussi de Kichokwe en Kinyarwanda, quand tu fais un effort de lire là. Et je sais maintenant comment il faut comprendre Kinyarwanda. À l'écrit, hein, vous remplacez tous les R là par des L, par des lettres L. Vous allez retrouver. Par exemple, si on dit, ils écrivent Ndakara. Si tu regardes bien, tu enlèves le R, tu mets L sur Ndakara. Tu vois? C'est ça le Kinyarwanda, langue bantou. Voilà, donc il n'y a rien. Le Rwanda ne peut rien réclamer, même un millimètre carré de notre terre au Congo. Voilà, chers compatriotes, nous allons dire tout simplement que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, même avec Vital Kamerhe, président du Parlement. S'il fait des bêtises, nous ferons tout pour le chasser du perchoir. Ah, mais oui, ce sera comme ça. Hein. Si on a réussi à chasser Mabunda, on réussira à chasser. Je sais que la corruption, ben on verra. Le président, c'est lui qui a l'impérium. Hein. S'il décide que c'est fini avec Vital Kamerhe, ça finira avec lui. Hein. Voilà, cher compatriotes, on en finit comme ça.